Le handicap visuel recouvre des réalités variées, s'échelonnant d'un trouble visuel à une cécité complète. Bien, je vous demanderai donc de recopier ces formules du multiplicateur keynésien. Si tu ne vas pas dicter les formules. Donc vous constaterez, en regardant ces formules, que la propension à compenser est toujours inférieure ou égale à 1 par définition. Et donc que le multiplicateur est toujours négatif dans le modèle de base. C'est quoi ? La formule, c'est Y. Ouais. Est égal à i fois 1 divisé par, entre parenthèses, 1 moins c. Oh. Ok. Vous ne m'en avez pas trop bavardé, s'il vous plaît, pendant que les autres écoutent. Tu peux redire ? Ouais. Donc k égale 1 slash donc, divisé par, entre parenthèses, 1 moins c. Ok. Première parenthèse. Donc tu vois, pour calculer le multiplicateur, tu fais k égale 1 divisé par, entre parenthèses, 1 moins c. Fermez la parenthèse. Et la valeur de k, c'est quoi ? Bah, la valeur de k, c'est égal à 1 divisé, entre parenthèses, d'accord. 1 moins c. 1 moins c. 1 moins c, entre parenthèses. D'accord. Alors, dans ce guide, vous avez toutes les bonnes pratiques. Envoyez des supports de cours par mail. C'est ça. Et pensez bien aussi à décrire les graphiques, avec les courbes montantes, les courbes en U, pour signifier les tendances. Voilà, c'est ça. Alors, pensez également à poser des étiquettes sur les graphiques, avec les chiffres saillants, à donner un nom aux graphiques, aux abscisses, aux ordonnées, et toujours à lire à haute voix les formules avant d'en discuter. Ok. Bon, super. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Ça va ? Ça vous a aidé que je vous envoie les supports de cours par mail avant ? Ah ouais, ouais, c'est super, hein. Merci beaucoup. Ça m'aide énormément. Bon, bah, je tâcherai de le faire systématiquement alors. D'accord. Au revoir. Au revoir. Pensez à décrire les dessins, les images choisies comme support de cours. Veillez à respecter une mise en page normée et accessible pour les synthèses vocales. Utilisez les styles de Word, par exemple. Pensez à communiquer les supports de cours en amont et à éviter les contrôles surprises pendant le temps de cours.